Lève-toi et marche. Dans cette injonction à se mettre debout, Jésus transmet toute l'énergie nécessaire à un homme pour se remettre debout après une longue paralysie. Lève-toi et marche. Cela prend parfois des mois, des années, pour se remettre debout après une longue maladie, un accident, ou tout simplement se lever malgré un handicap. Il faut parfois recommencer chaque jour cet effort extraordinaire de déployer tout son corps et l'obliger à se porter lui-même. Lève-toi et marche. Avec cet élan, c'est l'âme que Jésus remet en route. Le courage de vivre et d'aller vers l'avenir. Quand le corps est soigné, et même quand il paraît guéri, l'âme est souvent encore convalescente et porte pour toujours les traces de l'épreuve. Lève-toi et marche. Cette parole transforme les séquelles en aventure humaine. Elle redonne la force de croire au possible de Dieu dans notre vie. Cet élan de vie est en vous, en nous. Je voulais partager avec vous cette méditation ce soir. Alors confiance et que la nuit vous soit douce.